Salut les frérots, c'est Néo, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui les gars, je vous propose une petite vidéo spéciale. Étant donné que la bêta de Modern Warfare 2 vient juste de s'arrêter et qu'on peut plus accéder au jeu, j'avais tellement envie d'y jouer que je suis arrivé avec une petite idée qu'un pote à moi m'a conseillé. En vrai de vrai, l'histoire, enfin le concept m'a plu, m'a hype, donc on a mis ça en place directement en live. Et le concept est simple, c'est de faire des top 1 avec des armes que j'ai utilisées sur Modern Warfare 2 pendant la bêta. Ce qui fait qu'on va jouer avec la SCAR, la AKU, le MK2 et encore d'autres armes. Et du coup la vidéo d'aujourd'hui les gars, le gameplay que vous allez voir aujourd'hui, c'est ma première game avec la SCAR. Je l'ai one shot, c'est à dire qu'en live déjà j'ai demandé aux gens qu'est-ce qu'ils voulaient voir en premier. Et c'est la SCAR qui est arrivée. Et on a one shot le défi. Donc vous allez dire que la première game que j'ai avec la SCAR, on a fait top 1 direct. J'espère que ça va vous plaire les gars. En tout cas moi j'ai pris du plaisir à jouer avec des armes différentes aujourd'hui. J'ai fait beaucoup de games, vous allez voir que les vidéos qui vont arriver vont s'enchaîner. Et donc voilà, si vous me voyez porter les mêmes habits dans les prochaines vidéos, c'est parce que j'ai fait toutes les vidéos dans le même jour. Ne croyez pas que je suis un crasseux. En tout cas les gars, comme d'habitude, ça s'est passé en live sur Twitch. Twitch.tv/BigNeo, les gars, on est en live absolument tous les jours. Et on essaie de varier le contenu parce que là, on a quand même un mois à attendre avant qu'MW2 sorte. Et ça va être une période très creuse pour nous les streamers. Donc voilà, si vous voulez soutenir le live, n'hésitez pas à passer. Voilà les gars, je vous souhaite une bonne vidéo. Passez une bonne journée et soirée. Et à la prochaine les gars. Peace. Je me réhabitue au cancer type de ce jeu. Et mon cerveau il est encore sur le W2 là. Alors Farid, mais non, ça refonctionne. C'est vieux 3-0, elle est où la l'air à 50 là? Ça coupe, vas-y. Ah ben je sais pas les gars, franchement les gars, le sub n'a jamais été aussi peu cher. Et si jamais je suis payé comme si le sub coûtait bel et bien 4 en plus. Il y a des nouveaux subgoals aussi, si vous voulez le voir, faites la commande subgoal les frérots. Les frérots, les frérettes. Ah ouais, Farid, oh putain. J'espère que t'as les limités. Merde, je crois que c'est subgoal avec un S, faudrait supprimer le subgoal comme ça les gars. My bad. Subgoals. Et si jamais venez d'arriver les gars, vous savez pas ce qu'on va faire là sur le game. On va bien se faire chier sur Warzone les prochaines semaines. Du coup, idée de Lucas qui m'a donné et ça me hype. On va jouer les gars, en fait on va essayer de faire des top 1 avec les armes que j'ai utilisées sur MW2 sur la bêta. Voilà à peu près le concept. Donc on commence par la SCAR les gars. GG. Ouais, je pense que ça marche pas. C'était quoi la commande de Saos, wesh? C'est Saos qu'il a fait. Si c'est pas subgoal, c'est quoi? And I run, I got so far. Apparemment, c'est subgoal. Fais-le en majuscule pour voir, les gars. Un majuscule. Oh putain. Ou alors t'as créé une commande subgoal alors qu'il y avait déjà une commande subgoal qui existait, du coup ça bug. Putain. Dès le premier duel, hein, y a un truc qui te revient direct dans la gueule. Hein. Dans ce jeu, y a pas d'aim assist. Hein. Ah, y'en a pas. Hein. On attend le gars avec Fury d'ailleurs. Oui, bah les gars. En fait,
fait, si jamais le mec est professionnel de joueur, c'est un joueur de football professionnel en fait. Donc il a pas trop le time, tu sais, pour jouer avec Bineo encore. Ce sera quand lui il pourra, les gars. Et le coiffeur, c'est quand il rentre en vacances. Essayez de faire la commande en majuscule, voir. That's life. Eh merci l'avatar, let's go. That's what all the people say. De rejoindre Warzone. I got so far away. Ouais, faut pas louper tes balles. Hein. Si tu commences à rater des balles, bon. Bam, bam, bam. Bon, du coup, vous pensez que je vais faire en combien d'essais, les gars? Combien d'essais on va faire cette SCAR? On va faire le top 1 la SCAR. Et si je vois que certaines armes sont trop compliquées, les gars, peut-être ça le fera en fortune. En ça, hein. Premier essai. Tu penses que j'ai le one shot? One shot one opportunity. And I ran, I got so far away. 30 balles, c'est vraiment horrible. En solo ça passe, je pense. En solo, bro. Ouais, Farid, on débanne tout le monde, les gars, à 1500 subs. Alors, cuisine. Mais frère, la SCAR est énorme. Oh no, man. Nice. Y'a moyen qu'il pense que ça soit moi. S'il m'a vu. C'est de voir le gameplay MK2. Il reste une minute sur ce train, les gars. Pour la minute. Ah, je crois que ça aussi, ils l'ont changé, les gars. Vous savez, le train de boost, il va à l'infini maintenant. T'as combien de travers, le mec. Et là, il boxe le 19. Bon, let's go. Oh là là, je te baise. Mais je te baise. Oh, man. La honte de se prendre ça par une SCAR, mon dieu.
Combien va les box? Passe mon propre, dis-le moi. I got so far away. Donc ouais, le train de bouche, comme je disais, il peut aller jusqu'à très très loin les gars maintenant. C'est pas bloqué niveau 5. Et l'MP5 puis un caillou en CMG, non? Ah oui, il y a la KU, c'est ça que j'avais oublié, c'est la KU. Et pour l'MP5, je sais pas laquelle on va utiliser les gars. Laquelle ressemble le plus à celle de NW, c'est pas celle de Cold War, non? Ouais, Cold War. Hein. Tu veux pas que tu en 2019? Non, non, frérot. En gros, les gars, on doit faire les top 1 avec les armes que j'ai utilisées sur la W2. Sur la bêta, en gros. Il s'est rembarré. Donc il y a la SCAR, il y a la KU, il y a la MK2, il y a la M4 et Hurricane, en gros ça sera une M4 un peu plus différente. Je pense qu'on va mettre le Corvus dessus. Et voilà, hein. Le gladiateur. Franchement, en deux balles, il est craqué. Mais non, Mika, le raid, man. Merci, merci mon frérot. Putain, l'alerte raid, elle est cassée, sa mère. Donc, Vince. Merci beaucoup, Mika. Merci, mon poulet. Alors, qu'est-ce que ça donne, FIFA 23? Tiens, les gars, je crois que je vais devoir l'acheter parce que je crois que les autres vont faire du club pro. Mais je sens que je vais me faire scam. Je sens que je vais acheter le jeu. Et bizarrement, il n'y aura pas de club pro qui vont se faire. Alors, Maro. La FAL, les frérots, les armes que j'ai utilisées dans la bêta. S'il vous plaît, les gars. Concentrado. S'il vous plaît, les frérots. À quel moment je vais jouer à la FAL sur un W2? D'ailleurs, le crossplay sur U23. Ouais, mais pas en club pro, justement. Il y est que en. Il y est uniquement en. En fut et en. Enfin, en normal, quoi. Pas en club pro. C'est intelligent, en vrai. Je vais être à l'heure de la création du perso club pro. Ah, tu veux que je fasse un pro genre dégueulasse? Comme à l'époque. Putain, il était vraiment pourri. Hein. Non seulement il était nul au foot, mais en plus de ça, il était pourri. Enfin, visuellement. Physiquement. Ouais, mais j'ai pas joué avec Sky, je l'ai utilisé juste pour la débloquer, pour débloquer la hurricane. Ouais. Je te parle d'armes que j'ai utilisé tout seul, bon plein gré, avec plaisir, tu vois. Ah mais Club Pro c'est un mode de jeu incroyable, faut dire les choses. Faut dire quand les choses sont nulles mais quand c'est bien faut le dire aussi. C'est énorme Club Pro. Bon, il a disparu d'écran. Il devra prendre l'abonnement IE plus 15€ le mois ou 60€ vu que ça va durer qu'un mois la hype FIFA. Ouais mais après ça sert toujours d'avoir FIFA à la baraque. Je sais pas, on verra si je le prends pas. Merci Mika pour les 9 mois, merci mon ref. Oh mais what? Les gars, il était là depuis le début. Merci mon frérot. Les gars, je rappelle qu'il y a une grosse promo sur les subgifts. Les subgifts n'ont jamais été aussi peu chers. Donc n'hésitez pas les gars si vous voulez qu'on tape les 10 000 subs ou les 15 000 même. Y'a tout le monde au sniper maintenant. Hein. Merci beaucoup Mika. Je
J'avais vu, je croyais que toi aussi. Ah non, moi j'ai pas vu. J'en ai mort. C'est pas la balle de ta vie. De process. Ils sont trop loin. Yo Teranga, yo Flash, ça va quoi les gars? Non mais le mec il disparaît en fait. Non mais les gars la Scar en elle fait mal wesh. Merci Rainbow pour les 2 ans, merci mon frérot, ça va ou quoi? Let's go baby. La subscribe continue les gars. Magnifique. Non mais en vrai Lucas moi je trouve ça fait trop mal hein. Bon faut toucher quoi. Après c'est pas grave parce qu'on a, on a un des meilleurs shoots d'Europe donc ça va tu vois. Et putain, choqué en vrai. Pas dû faire ça. Oh non, stopper le jeu. C'est un peu la merde, hein. Putain, il est complètement craqué en plus. Aïe aïe aïe, ça va être dur. I got so far away. Je pense qu'à ma droite, il y a moins. Il y a deux types. Il y en a un, c'est sûr, mais il y en a peut-être un deuxième. Le mec du loadout.
ces plaques. Ah, il a une plaque, le couloir. Serpentine m'a baisé là. C'est nul, hein. Oh, let's go. Dix secondes, les gars, sur le top train. La situation elle est vraiment nulle. Hein. Et merci Bobas pour les 10 mois. Oh mais vas-y, on prend les hélicos là. Je pense que quand je vais jump, je suis dans la merde. Y'en a un qui m'a chat tout à l'heure. Let's go! Voilà les gars! First try! Hein. Putain, y'en a, il était transpiré sévère quand même! Hein. First try les gars! La SCAR est littéralement validée! J'avais prédit, c'est vrai que j'avais prédit. Tu vas bien au combat basse, merci pour les 10 mois, mon ref! Hein. Let's go, baby! Ça va, quoi, ça va nickel, Rémo, frérot! Voilà, ben voilà, c'est bon! Hein. Premier try, on a réussi, les gars, je suis content!